Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau vlog. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo préparation de la rentrée. Au début je voulais vous faire 10 choses à faire avant la rentrée avec une voix off et tout, sauf que mon micro ne fonctionne pas et au niveau montage c'est une horreur. Du coup bah je me suis dit pourquoi pas vous faire ça en vlog. J'ai fait un petit planning avec mon iPad de ce qu'il faut faire avant la rentrée et le programme est quand même un petit peu chargé, on va pas se mentir hein. Pour bien préparer sa rentrée, pour moi il faut commencer sa journée par un bon petit déj. Comme je vous l'ai montré, moi je prends mon cappuccino de base et je me fais souvent du yaourt à la coco avec des fruits avec et du muesli, de mon muesli à moi, et c'est super bon, c'est très riche. Donc moi je me fais, c'est très très simple, tu mets juste à décongeler des fruits et basta. Pour la première étape pour moi pour préparer sa rentrée, ce serait de planifier son mois. Je le fais à chaque fin de mois en fait, je planifie le mois suivant, je mets mes rendez-vous, les heures de travail, je mets un petit peu de tout. Donc on va faire ça maintenant. Donc je vous montre, de base ça ressemble à ça, mon mois c'est un digital planner que j'ai téléchargé. Il est vraiment très très bien, vous avez tous les mois sur les côtés et tout, je sais plus de qui ça vient je vous avoue. Donc voilà, c'est mon mois de septembre vraiment vierge, donc là on va le remplir ensemble. Donc ce que je mets généralement c'est Truffaut, mes horaires Truffaut, donc là je ne les ai pas actuellement, donc je les ai pas mis. J'essaye aussi de mettre les vidéos que je vais poster avec le petit logo de YouTube. Je mets aussi les soirées qui sont prévues, je mets aussi la date de la rentrée et j'ai mis aussi le jour où l'iPhone 14 y sort, parce qu'il faudra que je m'achète un nouveau téléphone parce que j'en ai pas. Et aussi j'ai mis mes rendez-vous personnels. Je pense que c'est quand même important de, avant la rentrée, prendre rendez-vous chez les médecins et chez les dentistes pour faire un check-up. Donc moi le dentiste c'est pour faire un check-up parce que ça fait très longtemps que j'y suis pas allée. J'ai pris rendez-vous chez le médecin parce que j'ai un problème au niveau de mon sein, donc je veux les voir avec un médecin pour qu'ils puissent analyser un petit peu tout ça. J'ai pas pu prendre rendez-vous chez le gynéco parce que c'est beaucoup trop long. Il faudra peut-être que je prenne aussi rendez-vous chez un ostéo. Donc j'ai pris rendez-vous sur Doctolib. Faites ça avant la rentrée, si vous avez du temps, voilà. Si vous commencez comme moi le 12 septembre, faites ça là maintenant, comme ça vous êtes tranquille. Et puis aussi, pour les gens qui font du sport, prenez votre rendez-vous après les inscriptions du sport, comme ça vous pouvez avoir votre certificat d'aptitude sport, enfin voilà, je pense que vous savez un petit peu. Je fais souvent ces dates de déclaration, donc là j'en avais pas des dates de déclaration, tout ce qui est impôts, déclaration des revenus, etc. Là j'en avais pas. Donc, je mets aussi les idées de vidéos, donc là je vais pas vous les montrer, mais j'ai mis mes petites idées de vidéos en bas à droite, j'ai mis aussi chaque jour ce que je devais faire. La deuxième étape pour moi c'est faire sa to-do list. Pour moi c'est hyper important, la to-do list du mois. J'ai beaucoup beaucoup de choses à faire en septembre, beaucoup de choses à payer, beaucoup de choses à planifier, donc c'est pour ça que la to-do list est très importante. Donc j'ai fait une to-do list, c'est sur le papier par contre, ça comme ça je l'ai à côté. Et par exemple là, rendre le projet de contrat signé, là je l'ai reçu donc je vais l'envoyer. Prendre rendez-vous chez le médecin et le dentiste c'est fait. Planifier septembre et faire mon emploi du temps. Donc pour tout ce qui est to-do list, c'est tout ce qui est papier à envoyer. Là je dois envoyer donc mon projet de contrat Erasmus, les factures à payer, les impôts à payer. Je dois aussi réparer mon micro, en fait il est pas cassé mais j'arrive pas à le reconfigurer correctement, donc on va le faire juste après. Je dois aussi changer le film protecteur de mon iPad parce que voilà, il commence à être un petit peu usé, et quand vous achetez un film protecteur de chez Paperlike, vous en avez deux. Vous en avez deux parce que si au cas où vous loupez sur un, vous en avez un deuxième, mais moi le premier je l'ai pas loupé, du coup bah je vais changer, je vais utiliser le deuxième pour mon iPad. Donc voilà à quoi il ressemble. Voilà, il y a beaucoup beaucoup d'écritures comme vous pouvez voir qui ont été faites. J'ai envie de commencer une année avec un nouveau film et tout pour que ça soit vraiment très très propre. Ensuite la troisième étape pour moi c'est faire l'emploi du temps, donc on va le faire maintenant. Donc j'ai reçu mon emploi du temps de ma fac, j'ai vu le bordel que ça allait être. Le vendredi c'est horrible, je fais du 9h30 22h, enfin 11h 22h pour l'instant, et après il faudra choisir les TD. Donc j'ai fait mon emploi du temps en espérant être prioritaire vu que j'ai un contrat de travail, donc j'espère pouvoir choisir mes TD avant tout le monde. Mon emploi du temps ressemble donc à ça. Peut-être que je vous le mettrai affiché ici, ce sera peut-être plus simple. En fait j'ai mis des petites croix là où je voulais pas avoir de cours en fait. Donc j'ai mis aussi des carrés blancs pour dire que je ne prends pas cette option-là, pour enlever voilà, toutes les matières que je ne veux pas avoir et que je ne vais pas avoir. Donc, voilà, j'ai choisi mes TD comme ça pour essayer d'optimiser un petit peu plus mon emploi du temps, avoir mon mardi de libre. Pour moi, c'est très important d'avoir au moins un jour de libre. On va le faire ensemble, c'est parti.
Donc voilà à quoi ça ressemble. J'ai rajouté les TD. J'espère avoir cette TD là, comme ça j'ai mon mardi de libre. J'ai rajouté aussi mon sport le jeudi en espérant avoir fitness comme d'habitude le jeudi matin. Et j'ai mis Truffaut donc le week-end. Donc voilà, c'est un emploi du temps quand même assez bien, je trouve. Même si le vendredi c'est un peu ouais, chiant, il y a quand même 5 heures de trou, ça fait des allers-retours pour rien. Donc voilà, je trouve qu'il est plutôt pas mal comme ça, je pense que je l'ai bien optimisé. Ce qu'il faut faire aussi quand vous avez votre emploi du temps scolaire, c'est regarder un petit peu les cours. Est-ce que vous pouvez avoir des Dropbox? Moi par exemple j'ai demandé des Dropbox à d'anciens étudiants qui circulent, etc. Ils m'en ont filé un. Et voilà, regarder un petit peu les cours, est-ce qu'il faudra acheter des livres, etc. Je vois qu'il y a droit du travail, je me dis que dans tous les cas il faudra acheter le livre du droit du travail parce que c'est beaucoup plus simple pour apprendre. Au niveau des options, quelle option vous voulez, enfin on va essayer de regarder un petit peu plus votre emploi du temps et vous renseigner auprès des anciens étudiants ou via les associations étudiantes. Ensuite la quatrième étape pour moi c'est faire une bucket list et les budgets qui vont avec, c'est tout ce qui est choses à acheter, ce que vous voulez faire, etc. Et les budgétiser, donc j'ai fait une petite feuille, j'ai fait plusieurs cases, bucket list, budget et les projets aussi. Donc pour ma bucket list, j'ai mis iPhone 14 parce que voilà, je suis avec un téléphone qui ne fonctionne pas et j'ai besoin de dernier iPhone pour aussi des projets pro qui seront disponibles que quand j'aurai cet iPhone là. Il y a une qualité d'image assez impressionnante et j'ai besoin de ça. Peut-être une batterie externe pour mon iPad, enfin je sais pas encore si j'en prendrai une ou pas. Les livres aussi pour les cours, je sais que je vais devoir acheter un livre pour les cours. Une Apple Watch, parce que la mienne, enfin ma montre, elle est, je sais pas ce qui s'est passé, elle a pas supporté l'eau. Du coup, bah, j'ai plus de montre. Un défroisseur aussi, j'aimerais beaucoup acheter un défroisseur. Je n'aime pas repasser, du coup un défroisseur ça peut peut-être permettre d'avoir un peu plus de temps. J'ai mis aussi des tartrans, en fait c'est un détartrant que j'ai vu, il est un peu cher je pense, 20-25 euros. C'est dans une petite boîte en métal et c'est de l'argile et t'as une petite éponge à l'intérieur et ça détarte très très bien et je pense que j'aurais besoin de ça pour ma salle de bain, mes éviers et tout, je pense que ça peut être plutôt pas mal. Et j'ai mis une brosse à chiottes parce que celle de Brabantia elle est super, hein. Vraiment c'est génial, elle est très belle mais je trouve qu'elle ne fonctionne pas très 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 bien donc il faut que je m'achète une brosse à chiottes. Voilà, c'est vraiment des petites choses qui me sont venues en tête pour tout ce que je dois acheter. Je dois pas l'acheter ce mois-ci mais voilà pour le mois ou les mois qui suivent, bah, j'aurai ça à acheter. Voilà pour la bucket list. Et pour le budget, il y a d'autres choses qui sont voilà, qui vont coûter cher. Donc en premier lieu, j'ai mis l'Erasmus qui va me coûter je pense 4 500 € pour toute la période. J'ai mis 3 000 € grand max pour le logement et après 1 500 € pour la bouffe, les loisirs, etc. pour les 4 mois à venir. C'est vraiment grand max, c'est le budget grand max. Il faudra que je mette ça de côté durant les mois qui arrivent. J'ai mis aussi l'iPhone. L'iPhone, donc ça va être au mois de septembre obligatoire. Ça va être à... Je sais pas trop les prix. Moi, je me dis toujours, c'est un SMIC, un iPhone. Hein, donc... mettre 1 300 €, voilà, par exemple l'iPhone c'est quelque chose que j'ai déjà budgétisé bien avant, que j'ai mis de côté bien avant, c'est pas une somme que je vais sortir d'un coup. J'ai mis par exemple 100 € tous les mois pendant 13 mois, c'est ce genre de choses en fait, c'est des trucs comme ça. Dès que j'ai une rentrée d'argent, je mets des sous de côté pour mes projets à venir, c'est comme ça que je fonctionne. Ensuite les livres, je pense que ça va me coûter 50 € chaque année, c'est comme ça, voilà, c'est tout le temps la même chose. Une batterie externe pour l'iPad, je pense que ça va être à 50 €. Il y a aussi un autre projet qui va être Ski Sorbonne, c'est partir au ski, ça va être je pense grand max 600 €. Donc encore une fois, il faut budgétiser, voir combien on peut mettre de côté. Donc par exemple là, pour le Ski Sorbonne, il y aura septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, il y aura 5 mois. Donc ouais, il faut essayer de mettre de l'argent de côté pour Ski Sorbonne et pas donner d'un coup les 600 €. Il faut mettre de côté chaque mois pour verser cette somme à la fin. Il y a aussi les calendriers de l'Avent qui vont arriver. Donc j'ai mis grand max 150 €, 200 €, tout dépendra de ce qu'il y a. Ça peut être moins, enfin voilà, ça dépend. Il y aura aussi les cadeaux de Noël à budgétiser. J'ai mis 20 € par personne, donc 100 €. Tout dépend, des fois ça va être 30, des fois ça va être 10. Enfin, il faut que ça soit 100 € à la fin ou 110 € grand max. Ensuite, une Apple Watch, je ne sais pas du tout les prix. J'ai mis 300 €, mais j'en ai aucune idée, ça peut être 100 €, 200, 300, 600, j'en ai aucune idée. Encore une fois, c'est pas maintenant que je vais me l'acheter, ça sera peut-être à la fin de l'année. Mais en tout cas, j'ai mis ça dans le budget pour voir un petit peu combien je peux mettre de côté. Et ensuite, un défroisseur, je sais pas du tout combien ça coûte. Le plus urgent pour moi à l'heure actuelle, ce serait l'Erasmus et l'iPhone et les livres. Après, là par exemple, ce mois de septembre là, j'ai dû payer mes frais de scolarité qui s'élevaient à 300 €, mon pass Navigo qui s'élève à 350 €. Donc faut savoir que dans le Val-de-Marne, on a 50% qui sont remboursés. Donc par exemple, dans mon emploi du temps, je vais mettre que le 1er novembre, il faut que je fasse une demande de remboursement pour ma carte imaginaire.
Ensuite, il faut que j'envoie ce mois-ci à mon employeur un remboursement de moitié aussi pour mon pass imaginaire, parce que vous êtes remboursé 8 euros par mois. Donc en gros, à la fin d'année, mon pass imaginaire ne coûte strictement rien. Voilà, il faut avancer la somme, après on te rembourse au fur et à mesure. Voilà, ça par exemple, le pass imaginaire, j'ai mis des sous de côté chaque mois pour ensuite le verser. Donc c'est comme ça que je fonctionne, c'est comme ça que j'ai toujours fait, je mets de côté pour ensuite verser, je veux pas être prise au dépourvu en mode putain merde c'est vrai que je dois payer ça. Non, ça marche pas comme ça avec moi, c'est tu mets chaque mois une telle somme si tu le peux. Donc voilà pour le budget. Après j'ai des projets, voilà, c'est la bourse et l'Erasmus. La bourse c'est en cours de traitement, j'ai envoyé tous les dossiers. Voilà, ça j'ai tout fait avant la rentrée, comme ça j'étais tranquille, je sais pas combien de temps ça va prendre. Et pour l'Erasmus, donc là, il faut que j'envoie mon projet de contrat signé par mon responsable. Donc là, il l'a signé, il me l'a renvoyé. C'était assez rapide. Ils sont quand même assez réactifs, hein, ça c'est bien. Et là, il faut que je le envoie sur mon ordi. Donc on va faire ça maintenant, pendant que j'y pense. Mon projet de contrat, il a été signé par donc ma responsable. Donc ce que je fais, c'est que je l'ai signé aussi sur mon iPad. Donc je fais tout exporter en PDF. Hop, exporter. Je l'envoie sur mon ordi si ça veut bien fonctionner. Et ensuite, je vais le déposer dans la rubrique concernée. Et après, donc, mon dossier Erasmus sera fait. Au moins, maintenant, il faudra juste attendre pour pouvoir être accepté ou non. Donc, je vous montre, en fait, ça se passe sur ce portail-là. Donc là, vous pouvez voir que le nombre maximum de candidatures était atteint. Donc, heureusement que je l'ai fait avant, parce qu'on ne peut plus déposer de candidature, là. Donc, on fait continuer la candidature. Et ensuite, on va déposer. Voilà, c'est fait. Enregistrer. Et là, on va pouvoir envoyer. Donc là, normalement, tout a été fait. Donc, je peux enlever ça de mon cerveau, comme quoi ma candidature, elle n'a pas été faite. Donc là, c'est bon, tout est fait. Faire un petit peu de tri dans ce Mac et dans l'iPad. Le tri, je l'ai déjà pré-réalisé. Donc, j'ai déjà, en fait, fait un tri sur mon iPad. Tous les dossiers, etc. J'ai tout supprimé, j'ai tout mis sur un drive, etc. Donc, au moins, ça, c'est cool. Mais ce que j'ai pas fait, c'est le fond d'écran. Les fonds d'écran, je l'ai pas fait ni sur l'iPad ni sur le Mac, donc on va le faire ensemble. On va commencer par l'iPad. Donc moi, mon iPad, il ressemble à ça. Le fond d'écran est vraiment basique. Enfin, c'est le fond d'écran basique de l'iPad. Donc on va faire ça sur Procreate. Donc c'est une application qui est comme ça, là, qui est payante. Voilà, c'est ça, c'est Procreate. Je vais faire une espèce de petit collage et on va mettre du bleu en fond d'écran. On va essayer de faire quelque chose de joli. Donc voilà ce que ça donne, je trouve ça trop trop beau. Donc on va l'exporter et le mettre en fond d'écran. Ah c'est trop beau! Maintenant j'ai la tête de mes amis là. Donc moi je fais un petit collage, c'était très très simple. Donc voilà, c'est sur Procreate, c'est une application qui est payante. Et sur le Mac, alors le Mac, je vais garder en fait ce que j'ai actuellement comme fond d'écran, j'ai juste changé quelques images. Donc je vous montre, j'ai fait ce collage là, donc j'ai juste remplacé quelques petites images, j'essaie d'harmoniser un petit peu plus, j'ai mis Birdie juste là, toujours Donald au milieu, la Sorbonne, les cours, etc. L'iPad, le café, les marguerites, les tatouages, les voyages. Donc ça en fait c'était l'avant, voilà, ça ressemblait à ça l'avant. Il y avait marqué Good Vibes, Enjoy, mais moi maintenant ça va être ça. Ça va être donc celui-ci, donc j'ai mis l'image ici, j'ai mis Believe in Magic, j'ai mis Karma, et j'ai mis les dossiers, etc. J'ai fait un effet un petit peu avec du scotch et des petits cœurs. Et donc bah maintenant, ça ressemble à ça. On a tout ce qu'on veut faire cette année en fait en face de sa tête. Donc bah après j'ai des dossiers et tout voilà, de ma personne, j'ai des impôts sur le revenu, enfin j'ai des petits trucs assez importants là pour l'instant qu'il faut que je laisse là, les projets de contrat, Erasmus. De base en fait il y a juste 3 dossiers ici. Donc voilà ce que ça donne, moi j'aime beaucoup, ça me fait un petit vision board assez sympathique je trouve. Dans tout ce qui est trié, j'ai mis trier les cours, organiser le bureau, etc. Donc je l'ai fait au préalable, donc je vais vous insérer les images juste après. L'organisation du bureau j'ai déjà faite.
Donc n'hésitez pas à les regarder. J'ai fait trois vidéos à ce sujet, enfin deux vidéos où on organise. Après, je vous ai fait un desk tour, donc n'hésitez pas à les regarder. Donc pour les cours, je vous montre ça maintenant. Donc là, je suis en train de trier tous mes cours, etc. Les fiches que j'avais faites sur des papiers et pas sur mon iPad. Donc je suis en train de les scanner et de les mettre sur le drive. Là, en fait, c'est tous mes brouillons que j'avais fait en comptabilité. Donc ça, je l'ai fait sur l'iPad, mais il fallait que je me réentraîne, etc. sur papier. Et j'ai retrouvé tout ça, ça m'a fait rire. Tout ce travail, ces heures acharnées avec des tableaux. Oh, c'était chiant de faire les tableaux. Tous les budgets de trésorerie, le compte de résultat, mon Dieu, regardez tout ça, comment ça fait peur. C'est une catastrophe. Donc bah tout ça c'est sur mon drive. Et ouais mon Dieu. Oh, oh là là. Donc tout ça, ça va être à la poubelle. Ça en fait des papiers quand même. Hein. Mais bon, au moins ça m'a bien servi. J'avais utilisé ça en fait comme brouillon. Et j'en avais acheté... Ah, il m'en reste que deux. Et j'en avais acheté trois. Du coup, 300 feuilles. C'est énorme. Du coup, bah, j'ai fini normalement. Là, c'est tout le restant de mes cours. Donc tout ça, en fait, tous les cours que j'avais imprimés et que j'avais laissés. Ah bah, faut que je fasse aussi un scan de ça. Donc ça, c'est mes fiches aussi sur papier. Et faut que je fasse un scan de ça. Et après, je vais les garder et je vais les mettre dans... Même si je les ai sur l'iPad, hein, je vais les mettre dans la pochette. Mon Dieu, c'est une page qui se tourne. Et TQG, bah, je n'ai strictement rien. Mais il me semblait que j'avais des fiches papier en TQG. Il faut que je les retrouve. Où est-ce que je les ai foutues? Et ça, c'était mon anglais. J'avais fait Elisa Show. Et ça, c'était mes fiches de présentatrice. C'est pas trop drôle? Je vais les garder, tiens. Ça, c'était mon contrôle. En marketing, j'avais 10 sur 10. Oh là là. Mon Dieu. Ah, et ça, c'est mon contrôle d'anglais. J'avais eu 10 sur 20. Et j'avais eu bon à tous les trucs de grammaire, etc. Par contre, dans les questions de cours, hein, bon, voilà. Bon. Je viens de retrouver tout ça. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et ça, c'était mon premier semestre. C'est super lourd. Et ça, c'était tellement utile. Regardez ça. Ces petites intercalaires là avec la dimo que j'avais fait. Incroyable, franchement ce trieur là il est excellent. Ah bah là aussi j'ai fait des fiches. Faut que je les scanne. Donc j'ai encore quelques petits trucs quand même à scanner. Bon ben voilà, j'ai fini de tout trier. J'ai revengé un petit peu mieux le semestre 5 et le semestre 6. C'est beaucoup plus light parce que j'avais beaucoup moins imprimé les cours. Donc au moins je suis contente, ça c'est fait. J'ai tout scanné, donc au moins ça c'est cool, je vais pouvoir le mettre sur le drive. Ensuite, il faut trier ses mails. Moi j'avoue, je fais ça chaque année, j'essaye de trier un maximum mes mails. Et en parlant de mail, je viens de recevoir un mail de Maïmusli qui me dit qu'il stoppe la production des étoiles en chocolat en septembre. C'est la dernière semaine pour se procurer mon musli avec des jolies étoiles. Ok. Et ça me propose en fait de retravailler la recette mais sans étoiles. Donc écoutez, voilà, il y a toujours des imprévus qui arrivent dans la journée. Donc il faudra que je réponde à ce mail et que je vois ce que je peux remplacer, comment je peux retravailler un petit peu... la formule. Je viens aussi de recevoir un mail pour mon Erasmus en me disant que ça a bien été validé, ma candidature, etc. Bon, y a des mails qu'il faudra que je réponde quand même ce soir parce que sinon je vais être dans le caca. Mais voilà, triez vos mails, vos dossiers, vos photos. Je pense que vous allez le voir. J'ai souvent des miniatures, etc. Et comme là j'ai plus de téléphone, bah, je suis obligée de faire mes story time sur l'iPad. Vous voyez là en dessous, il y a mes vidéos d'iPad. Donc il faut que je les supprime, ça prend trop de place pour rien. Vous allez aussi faire du tri sur votre Instagram. C'est con, mais moi j'ai mis beaucoup de personnes en mute, en sourdine, pour plus voir leurs stories, leurs conneries comme ça, au lieu de me désabonner que ça fasse des histoires. Moi je fais ça maintenant, je mets les gens en mute et j'en ai rien à foutre. Supprimez les gens que vous ne regardez plus, voilà, faites un petit tri dans vos abonnements. Moi je sais qu'il y avait pas mal de meufs que je suivais, et en fait j'aimais plus trop leur contenu, je regardais plus, du coup je me suis désabonnée. Donc faites ça aussi, faites du tri, hein, vraiment. C'est l'année scolaire, faites du tri dans vos amis, dans vos abonnements, allez-y, c'est le moment pour. Aussi pour la sixième étape, je crois qu'on avait la sixième, faites du tri dans votre dressing, enlevez les choses d'été, les choses d'hiver, automnales, enfin je pense que vous connaissez maintenant. Je ne l'ai pas fait, j'ai extrêmement la flemme de le faire,
là pour l'instant, parce que déjà je suis au bout de ma vie, je suis une femme enceinte en train d'accoucher un steak tartare. Du coup là je vais pas le faire aujourd'hui, mais ça va se faire je pense fin septembre, parce que là il fait encore beau, il fait encore chaud, du coup je peux encore mettre mes petits hauts, etc. La septième étape pour moi, c'est de faire un petit peu de ménage dans l'appart. Donc comme vous avez pu le voir au début de la vidéo, j'ai déjà envoyé Jouzette faire son travail, ça, c'est vraiment cool. Jouzette est très très performante pour ça, pour passer un coup d'aspirateur et la lavette en même temps. Donc ça, moi je conseille fortement d'investir dans ce genre de choses. Moi c'est un gain de temps énorme. Et la huitième étape, c'est se faire plaisir pour moi. C'est hyper important de se faire plaisir. Bon, par exemple, moi je fais mes ongles avant la rentrée pour que ça soit vraiment très très propre. Je vais m'acheter un nouveau sac pour mes cours. J'essaie de me promener, j'essaie de m'acheter un livre que je voulais, enfin voilà, essayez de vous faire plaisir, même vous acheter une petite plante, des fleurs, enfin voilà, c'est important de se faire plaisir même tout au long de l'année. Faites-vous des masques, des bains, faites-vous plaisir comme ça, comme vous voulez, faites-vous des petits gâteaux, achetez-vous de la pâtisserie, enfin voilà. Donc je pense que j'ai un petit peu tout dit. Maintenant, ce qu'il faut que je fasse sur ma to-do list, papier à envoyer, donc ça c'est fait, facture à impôt à payer, tout est fait, et réparer le micro et changer le film protecteur. Donc on va changer le film protecteur. J'ai mis mon truc normalement en dessous. Ah, faut plier son ventre, j'en peux plus. La la la. Mal. Quelle idée de filmer le jour où j'ai mes règles. Donc ça se présente comme ça. C'est un film qui vient de chez Paperlike. Je vous ai mis, je crois que j'ai un lien de parrainage, un truc en barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir. C'est pas moi qui l'ai installé la dernière fois. Donc je ne sais pas comment on fait. Ah, il y avait une vidéo, c'est vrai, pour expliquer comment on fait. Bon, déjà, je vais enlever la coque. Ma coque coûte très très cher, mais je trouve qu'elle ne tient pas très très bien. Ah, putain. Parce que je sais pas si vous voyez, bah là, ça a bougé en fait. Donc c'est de la marque Logitech, je crois. Ça coûte quand même cher, mais bon, ça protège bien quand même. Je suis fan, donc on va enlever la protection. Ah, comment je vais faire pour enlever une protection? Ah. Ah là là, je sais pas si vous allez voir à quel point c'est abîmé entre guillemets, mais c'est normal. Hein. Oh là là, je vais essayer d'écrire sans la protection pour voir. Oh, ça n'a rien à voir. Ah non, je préfère avec la protection. Hein. Parce qu'en fait avec la protection, ça donne un effet... Ah ouais, non, je préfère avec la protection. Ça donne un effet comme si t'écrivais sur un papier. Alors que là, c'est vraiment t'écris sur un écran. Tu le sens, ça colle à la main et tout. Genre, tu sens que c'est chaud et tout. Alors qu'avec la protection en paper-like, c'est comme si t'écrivais sur sur une feuille, quoi. Comme un cahier, vraiment pareil. Ah ouais, ça râpe et tout. Non, ouais, c'est pas ouf. Ah ouais, non, la sensation, elle est horrible. Donc, on va installer tout ça. Waouh, c'est trop beau. Et voilà, il est totalement mat. Ça, c'est vraiment cool. Et il n'y a aucune bulle. Donc, je vais nettoyer aussi ma petite coque et le derrière de mon iPad. Parce qu'il est un petit peu sale. Donc, on va faire ça maintenant. Donc tout a été fait, maintenant je vais essayer de voir pour mon micro, pour essayer de le réparer. Je sais pas comment je vais faire, je ne connais rien à cette technologie là. Mais aussi je voulais vous parler un petit peu des projets que j'aimerais mettre en place dès que j'ai mon iPhone en fait. En fait j'ai fait 3 réels sur mon Instagram de mes vacances et de mon bureau, donc n'hésitez pas à y regarder mon Instagram, c'est ElisaBRTOff. Et je vois en fait que ça vous a beaucoup plu. Et moi j'adore faire des vidéos comme ça, des petites vidéos. Et je pensais en faire un petit peu plus, pas tout le temps, mais je pense une fois toutes les 2-3 semaines. Faire une vidéo avec des conseils, vous savez, avec une voix off, des images, etc.
J'ai déjà commencé à écrire quelques petites vidéos, mais déjà mon micro ne fonctionne pas. Ça, pour filmer, c'est une catastrophe, parce que j'aimerais bien filmer des moments de vie, des choses comme ça, et je vais pas tout le temps avoir ma caméra avec moi, d'où l'iPhone aussi, pour avoir une belle qualité. Alors stop, on arrête tout. Regardez mon chat. Il est pas genre trop mignon. Il a mis la patte sur ses yeux. Je tombe amoureuse chaque jour de ce chat. Même s'il me casse les couilles à me réveiller tous les jours à 6h du matin. Oh, il est en train de rêver là. J'aimerais bien faire des petites vidéos comme ça. Un peu à esthétique. J'aimerais bien aussi faire des vidéos ASMR avec des boissons. Le bruit des boissons et tout. J'aimerais beaucoup faire ça là sur mon Instagram. J'aimerais poster un peu plus de photos aussi. Et voilà, j'ai pas tout le temps ma caméra avec moi comme je vous le dis. Et avec mon iPhone, peut-être que je vais pouvoir faire des petits shoots en extérieur, prendre des photos. Enfin voilà, c'est pour ça que l'iPhone, j'ai hâte de le recevoir pour pouvoir faire ça. Je vais en faire un bientôt sur la rentrée, mais je sais pas quand parce que j'ai pas d'image en fait pour aller avec ce que je vais raconter. Donc déjà, il faut que je répare mon micro, donc je vais faire ça maintenant. Mais voilà, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon Instagram, à me donner un petit peu de force aussi. J'ai beaucoup développé un peu plus ça cette année. Voilà, on va réparer le micro, enfin si on y arrive. Alors mon micro, c'est le Yeti Blue, c'est celui-ci. C'est un très très bon micro que beaucoup de youtubeurs utilisent pour la qualité de son, pour aussi tout ce qui est vidéo ASMR. Bouger un bouton et je sais pas, et ça a tout niqué. Donc je le branche en fait sur mon ordinateur. Je vais dans Quick Time Player. Là il le reconnaît, donc ça c'est cool. Mais des fois il ne fonctionne pas. Test 1, 2, 1, 2, 1, 2. Là le son il est bon, c'est le bon son parce que je suis très proche du micro. Peut-être si je parle comme ça trop loin. Et quand je parle trop loin, ça fonctionne pas. Genre le son est dégueulasse. Donc comme ça, ça serait plus pour les voix off. Mais après, je sais pas. Derrière, il y a des boutons et tout, mais j'ai jamais touché à tout ça, moi. Parce que j'ai pas envie à chaque fois d'avoir mon micro comme ça en face. J'aime bien le mettre loin et qu'il arrive à capter, en fait, mon son. Donc, je vais faire des tests et en espérant que ça fonctionne. Parce que il coûte quand même assez cher, ce petit micro. Donc je pense avoir un petit peu réglé le micro. Donc par exemple si je fais des voix off. Donc là vous allez entendre ma voix de très près, vous allez entendre un peu plus les sons ASMR, les bruits de bouche, etc. Donc ça c'est plus pour les voix off sans qu'on me voit parler. Et par exemple quand je vais devoir parler comme ça à la caméra, il va falloir que je cache donc le micro et qu'on m'entende quand même un minimum. Parce que j'aime pas qu'on voit tout le temps le micro, c'est chiant. La dernière fois, le micro ne fonctionnait vraiment pas, on n'entendait pas du tout ma voix, on entendait mieux ma voix avec la caméra. Je vais vous montrer sans le micro ce que ça donne. Voilà ce que ça donne, donc c'est vraiment un changement quand même hein, au niveau de la qualité du son, je trouve. Juste, il y a toujours un petit bruit blanc, donc je sais pas si on peut l'enlever, mais en tout cas, déjà je suis contente, il fonctionne un petit peu. Les gosses sont de sortie, je suis ravie, il est quelle heure ? 17h18. Génial. Mon chat il est au max. Alors là, regardez sa tête. Non mais alors lui il vit sa meilleure vie. Hein. Regardez sa tête de chacha. La chose à faire aussi pour la rentrée, pour préparer sa rentrée, c'est vraiment choisir sa méthode de travail. Moi comme vous savez j'ai opté pour l'iPad depuis bien longtemps, donc ça c'est vraiment très très bien, je fais tous mes plannings dessus. Mais c'est vrai que j'ai aussi de la papeterie, j'ai aussi tous mes stylos. Bon, ça je vais pas vous le remontrer parce que je vous l'ai montré dans ma vidéo desk tour. Mais j'ai ce genre de petite to-do list que j'ai eu de chez Shein je crois. Vraiment très bien ce petit to-do list. J'ai acheté ça aussi chez Monsieur Wonderful, c'est un semainier. Donc ça je vais l'utiliser quand voilà, j'aurai vraiment des semaines chargées etc. Là pour l'instant j'ai des semaines chargées mais pas au point où il faut que je note tout. En fait c'est tellement beau que j'ai pas envie de le gâcher entre guillemets. Sinon j'ai un planner comme ça de chez aussi Monsieur Wonderful avec un panda. J'utilise de temps en temps quand il y a vraiment besoin des choses à la con à faire. Genre par exemple filmer ma prise de notes sur l'iPad, etc. Poster le bureau épisode 1, enfin voilà ce genre de choses. Mais vraiment ce que j'utilise le plus c'est celui-là, c'est ce planner-là de chez Shein. Il est excellent, je trouve qu'il est très très bien, très lisible, donc je l'ai pas fait, je vais le faire maintenant. Donc je le fais et sur l'iPad et sur ça. Je vais donc vous filmer bientôt ma prise de notes sur l'iPad. Je vous ai déjà filmé une vidéo comme ça. Je vais plus vous dire mes nouveautés, les nouvelles choses que je fais sur l'iPad, les stickers, les machins, etc. Tout ce qui est digital, tout ce que j'ai téléchargé, que j'utilise. Et moi j'ai demandé aussi ma routine révision, ça va arriver aussi très prochainement. Donc j'ai pas mal de choses à vous filmer et c'est pour ça que j'ai besoin de ça pour m'organiser. Donc voilà ce que ça donne.
Il y a des petits codes couleurs et tout parce qu'il y a des vidéos que je dois publier dans un laps de temps. Du coup, je surligne en fait le délai pour la vidéo parce qu'il y a 3 vidéos là que je dois placer. Des intervalles un peu séparés aussi pour que ça soit pas trop non plus. Je trouve qu'on a vraiment bien avancé pour préparer la rentrée. Je n'ai rien d'autre à penser à part ma personne. Donc ça, c'est vraiment bien. J'avoue, j'appréhende la rentrée de fou. Je stresse énormément. Ça se voit pas trop comme ça, mais je stresse beaucoup. Donc bref, je pense que je vais arrêter cette vidéo là maintenant. J'espère sincèrement qu'elle aura pu vous aider à essayer de préparer un petit peu votre rentrée. En fait, c'était pas trop un vlog, hein, c'était plus une facecam. Mais voilà, j'espère que j'aurais pu vous apporter quelques éléments. Donc il y a d'autres vidéos back to school qui vont arriver très prochainement. Donc bref, voilà pour cette vidéo. J'espère sincèrement que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas et à vous abonner à mon compte Instagram qui est ElisaBRTOff, à vous abonner à ma chaîne juste là si ce n'est toujours pas fait. Je vous mettrai d'anciennes vidéos qui s'afficheront juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis